Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous allons suivre l'actualité. We are going to follow the news. Dans la province du Grand Nord, dans la région du Grand Nord. In the region of the deep north. Je suis le frère Ernest Traillé, disciple du pasteur Meunier, ministre assistant du pasteur Meunier dans le domaine de la délivrance. Et j'étais avec les frères, le frère Nana, le frère Conan, le frère Elu Yoboué, et un autre frère nous a rejoint là-bas, le frère Ori Gazmi. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait et il continue de faire dans la nation. Dieu nous a encore agréablement surpris quand nous sommes arrivés à Korogo. Effectivement, les frères, avec le missionnaire, le pasteur Roméné, à sa tête, ont mis en pratique les différents enseignements que le pasteur Meunier Boniface a libérés dans la nation et ils continuent de libérer. Au niveau de Korogo, les frères, après quelques prières lors d'un joint service, une sœur a été authentiquement délivrée. Il s'agit de la sœur Annick Alla. Cette sœur avait des problèmes de fibrome. Et avec le pasteur Roméné à la tête, avec les frères, ils ont prié lors de ce joint service. Ce jour-là, ils avaient invité le pasteur Meunier. Et c'est lui qui avait dirigé la prière. Après une prière fervente, la sœur qui avait les fibromes, elle s'en va. Les fibromes sont tombés. Après avoir fait l'échographie, les fibromes ont disparu. Jésus. C'est les fibromes qui étaient un problème pour l'enfantement. Après sa délivrance, quelques mois qui suivaient, elle a enfanté. Une autre sœur du nom de Digbe Jocelyne. Toute petite, elle vivait avec sa tante. Et un jour, elle avait eu un besoin. Et sa tante l'a accompagnée. C'était aux environs de, ça doit être 3h, 3h30. Elle maîtrisait, plus elle était petite. Mais c'était tard la nuit. Quand elle est sortie avec cette tante, elle a vu un phénomène qui l'a troublé jusqu'à 16 ans. Il y a eu les manifestations de ce phénomène dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle dit, quand je suis sorti avec cette tante, j'ai vu des esprits. C'est-à-dire, je voyais des chats, des oiseaux qui se transformaient en êtres humains. C'est-à-dire, des personnes qui sont quittées de leur voyage nocturne. Quand ils sont arrivés, c'était l'heure de se transformer en être humain et puis rentrer dans leur maison. C'est ce phénomène-là qu'elle a constaté. Et ça l'a troublé jusqu'à 16 ans. C'est là que les choses ont commencé à se manifester. Et quand elle est devenue grande, elle a commencé à avoir un ballonnement de ventre. Et le ventre a commencé à s'enfler. Jusqu'à ce qu'elle a commencé les solutions. Les marabouts par-ci, les marabouts par-là. Elle allait même au Burkina, sans suite. Elle est revenue en Côte d'Ivoire. C'est là qu'elle a rencontré les frères. Dieu merci. Elle s'est fait assister par une assistance sociale. Et le Seigneur, dans son amour, a permis, le jour de l'opération, qu'elle ne dépousse même pas 5 francs. L'opération a eu lieu. Elle a été délivrée. Elle fait un songe après l'opération. Elle rencontre cette tante. Dans le son, elle sortait d'une forêt. Et cette tante lui dit, tu as fait l'opération, tu as été délivré, mais ce n'est pas encore fini. Et elle a jugé au nom de Jésus, la tante a disparu. Jésus-Christ. Un autre jour, elle fait un autre rêve. C'est un autre oncle qu'elle rencontre. Quand elle a rencontré l'oncle, l'oncle a tendu la main. C'était pour saluer l'oncle. Mais elle a dit,
Je prends la main de Jésus et je te salue avec la main de Jésus. L'oncle n'a pas pu décoller sa main et puis lui, il a disparu. Elle aussi, Dieu a eu compassion d'elle. Elle a pu enfanter. Nous avons vu ses enfants. Nous bénissons le Seigneur. Un frère qui était esclave de la masturbation et de la fornication. Il nous rendait le témoignage que, quelle que soit la position et l'endroit, il se masturbe. Même au champ, si l'occasion se présente, il se masturbe. Accompagné de l'immoralité, la fornication. Mais après avoir donné sa vie à Jésus, après la repentance, le baptême, le brisement des liens, authentiquement délivré de la masturbation et de la fornication. C'est le frère Kwasi Kwasi Benjamin. Une autre sœur que beaucoup de frères connaissent ici, dont le mari est affecté à Korogo, la sœur Guédé Larissa. Elle aussi, c'était difficile pour elle d'enfanter. Et après qu'elle ait fait une échographie, il a été déclaré qu'elle avait des fibromes. Donc, elle a décidé de se faire donc opérer. C'est ce qu'elle a fait. Mais le jour de l'opération, il y a eu un incident. Une trompe a été touchée. Donc, il lui restait maintenant une seule trompe. Avec deux trompes, tu n'as pas pu enfanter. C'est avec une trompe que tu peux. Donc, c'était difficile. Donc, dans les prières de supplication et d'importunité, après ces prières-là, elle fait un rêve dans lequel elle a rencontré le pasteur Meunier. Et le pasteur dit, quel est ton besoin? Elle lui dit, je veux enfanter. Après, le pasteur lui pose encore la question, qu'est-ce que tu veux d'autre encore? Elle dit, je veux du travail. Elle dit, dans ce songe-là, le pasteur a prié pour elle. Et puis elle s'est réveillée. Les jours qui suivaient, une petite fièvre s'est déclarée. Elle s'en va à l'hôpital déclarée enceinte. Nous avons vu l'enfant de la sœur Guédé Larissa. La nuit du jeudi jusqu'au petit matin, nous avons fait le brisement des liens. Une petite fille qui était pratiquement une sorcière, sorcière consciente, elle pratiquait la sorcellerie. Elle rendait le témoignage que dans la maison de son père, on l'envoyait pour tuer son père. Donc elle avait mis des caméras dans la maison. Elle était comme l'espion dans la maison de son propre père. Donc, tous ceux qui devaient rentrer devraient passer par elle. Dieu, dans son amour, ce jour-là, le Seigneur est descendu. Quand elle a ouvert son cœur, elle nous a confié, elle a décidé et elle a pris l'engagement de sortir de la sorcellerie. Nous avons fait le brisement des liens. Après le brisement des liens, c'est vrai que les esprits se sont manifestés. Mais quand nous avons fini, c'est là qu'elle me rendait le témoignage. Où elle me rendait ce qui s'est passé. Elle disait, pendant que j'avais les mains, les deux mains sur sa tête et que nous étions en train de la bénir, parce que j'avais dit, nous arrachons le cœur mauvais qu'on t'a donné et nous te donnons un nouveau cœur. Elle dit, ce n'était plus moi. Elle a vu Jésus descendre qui a enlevé le cœur et a remplacé un autre cœur. Délivré authentiquement, fini la sorcellerie. Un autre frère, le frère Doué, Kissa, quand il a appris que nous étions à Korogo, il a partagé à son dirigeant et le dirigeant a dit, il n'y a pas de problème, c'est une opportunité, tout le monde doit bénéficier de ce ministère. Il est aussi rentré dans le jeûne. Le premier jour du jeûne, la nuit de ce premier jour, au petit matin de son réveil, son cou est penché. Il ne pouvait plus redresser le cou. Il regardait d'un côté. Et c'était très difficile, douloureux. Il faut dire, bien avant même ça, quand il était dans le monde, ses parents lui avaient donné une femme. Et un jour, il dit, il avait eu une petite querelle avec la femme. Il n'allait pas doter. C'était une femme qui devrait voir et puis doter et marier après. Une femme donnée par ses parents. Donc, dans un conflit,
ou une dispute, la femme l'a giflé. Donc lui, il voulait donc répliquer avec sa main droite. Quand il l'a envoyé, il n'a pas réussi à taper la femme, mais son pouce a cogné le mur. Et le pouce s'est déplacé. Finalement, le pouce a été amputé. Donc, pour vous dire comment ce frère souffrait de l'emprise de la sorcellerie. Donc, quand il est rentré dans le jeûne, son cou était pansé. Le jour de sa délivrance, le troisième jour, frère bien-aimé, quand nous avons fini, le cou qui était pansé est redressé, il a marché. Guéri. Une sœur qui a traîné une toux, c'est quand nous avons fini qu'elle nous a partagé combien d'années elle a souffert avec cette toux. Une toux de 30 ans. Elle était pratiquement la risée de tout le monde. Même à la maison, ses propres enfants se moquaient d'elle. 30 ans de toux. Effectivement, quand les frères ont commencé, quand le brisement, elle a commencé à tousser. J'ai dit aux frères, continuez, ça c'est pas une toux ordinaire. Ce sont les démons qui sont derrière. Quand nous avons fini, pendant que nous étions en train de la bénir, elle vomissait, elle vomissait, elle vomissait. Une fois le brisement fini, la bénédiction finie, la toux s'est arrêtée, guérie, jusqu'à ce jour. Nous disons merci à Jésus. Une autre sœur qui a traîné une grossesse de 2 ans. Frère, Dieu est descendu à Koroko. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Une grossesse de 2 ans. Elle nous rendait le témoignage toute petite. Elle était consacrée au fétiche de son père, qui était des génies. Quand elle s'est mariée, elle a pris une grossesse. Elle est partie à l'hôpital. Elle a acheté un test de grossesse. Avec la sage-femme, ils ont fait. Les deux traits rouges sont sortis. Ça veut dire qu'elle était enceinte. Elle rentre donc. La grossesse a commencé à évoluer. Elle repart pour faire un contrôle. On dit, le ventre est gros, mais l'enfant a disparu de son ventre. On ne voit pas l'enfant. Le ventre a continué à grossir jusqu'à ce que les 9 mois viennent à l'existence. Mais pas d'enfant dans le ventre. C'est là qu'elle a constaté que c'était un problème spirituel. Et avec l'aide des frères, le pasteur Romenet à sa tête, ils ont prié, intercédé. Le ventre a commencé à diminuer. Mais il y avait des esprits, le ventre bougeait. C'est là qu'elle fait un rêve. Dans le rêve, quelqu'un vient lui dire, tu as des jumeaux dans ton ventre. Mais elle va à son réveil, elle va faire une échographie, il n'y a pas l'enfant, mais le ventre bouge. Quand nous sommes arrivés, elle nous a partagé. Nous lui avons dit, Jésus est tout puissant. Il fait des choses merveilleuses. Après le brisement des liens, quand nous étions en train de la bénir, bien-aimé frère, quand j'ai déposé ma main sur son ventre pour commander, c'est-à-dire que pour arracher les démons, pour arracher ce qui était dans ton ventre, son ventre tournait dans ma main comme un ballon. Pas enlevé, il tourne dans ma main comme un ballon. Nous avons insisté, prié en langue. Le ventre a disparu. Guéri, délivré. Le ventre n'a plus bougé. Jusqu'à ce que dimanche, elle-même prenne l'initiative de rendre le témoignage. Guéri totalement. Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu. Frère, nous sommes arrivés à dimanche. Quand il a pris la parole, le pasteur Meunier, après l'enseignement, c'était les prières de combat. Au début, il y avait un calme. Les esprits ne se manifestaient pas. Mais quand il a continué, il a insisté, les démons ont commencé à se manifester. Une sœur qui n'avait pas marché depuis quelques années, plus de 10 ans, mais elle était avec une béquille. Quand les démons se sont manifestés, nous l'avons soulevée derrière. Frère bien-aimé, quand nous avons commandé au nom de Jésus, c'est un serpent qui se manifeste. Et le serpent dit, ces pieds-là, c'est moi. C'est pourquoi elle ne marche pas.
Je suis dans ses pieds. J'ai enlevé les vrais pieds. C'est moi qui suis à la place de ses pieds. Si elle doit marcher, c'est que je dois d'abord partir qu'elle marche. Frère bien-aimé, nous avons commandé au nom de Jésus, le serpent fuit. Elle a marché. 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 Frère Jésus à l'œuvre. Et Dieu a continué. Quand son serviteur a continué, plein de délivrances, plein de restaurations des vies humaines, plein de guérisons, plein de manifestations des démons, aucun démon n'a résisté. La majorité des esprits qui se sont manifestés, il y avait l'esprit de Python, il y avait l'esprit de mort, il y avait l'esprit d'immoralité, il y avait l'esprit de poro, il y avait l'esprit de forêt sacrée. Tous ces esprits sont partis au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire merci à Dieu. Frère, Dieu nous a donné un grand homme qui a suivi les traces de son père. Si nous suivons ces traces, nous sommes bénis et nous serons bénis. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait et il continue de faire dans la nation et dans sa vie et dans votre vie et dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est à l'œuvre. God is at work. Frère, c'est très encourageant. Brethren, it's very encouraging. Nous avons commencé la semaine passée à parler de la nécessité d'avoir la paix pour le progrès de l'évangile. Last week we started talking about the necessity for us to have peace for the gospel. Ce que nous allons dire aujourd'hui, what we are going to say today, c'est que pour qu'il y ait la paix dans l'église, for peace to be in the church, parce que la paix interne est un grand facteur de croissance. Because internal peace is a great factor of growth. La paix au sein de l'église, peace in the midst of the church, la paix au sein des assemblées, peace in the assemblies. Les frères qui s'aiment, the brethren who love one another, qui adorent, who worship, dans un même esprit, in a same spirit, qui recherchent le bonheur les uns des autres, who seek the happiness of the one and the others, qui veillent, who watch, pour éliminer tout sujet de frustration, tout sujet de scandale. In order to eliminate any frustration and scandal, qui savent se réconcilier les uns avec les autres, who know how to reconcile one another, qui se soumettent les uns aux autres dans la crainte de Christ, who submit to one and another in the fear of Christ. Pas parce que quelqu'un est fort. Not because someone is strong. Mais parce strong, que Jésus est le Seigneur de tous. But because Jesus is the Lord of all. L'idéal, the ideal, c'est de mener une vie qui protège, qui élimine, qui annule même les crises. Is to live a life, qui les empêche même de naître. Is to live a life that prevents any crisis in a church. Une vie de renoncement, a life of denial, une vie de consécration, a life of consecration, une vie de dépouillement, a life of putting off, des vertus qui rendent possible la fusion des cœurs, virtues that make it possible the melting, the union of hearts,
Lis pour nous Philippiens chapitre 2 verset 1 à 4. Read for us Philippians chapter 2, reading from verse 1 to 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Amen. Donc, la parole de Dieu nous ordonne d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme. So the word of God commands us to have to be like-minded, to have the same love and to have the same mind. D'avoir des cœurs qui rejettent les partis pris. To have hearts that reject the fact of having one's own position. De rejeter la vaine gloire. To reject vain glory. De rechercher l'intérêt de tout le monde. To seek the interest of all. C'est-à-dire d'éliminer l'égoïsme et l'égocentrisme. That is to eliminate egoism and egocentrism. Ça, c'est des moyens pour prévenir même, pour que les crises même ne naissent pas. These are means to prevent crises, so that there won't be any crises. Si elles essaient de naître, if they try to come, qu'ils soient éliminés radicalement. That they can be eliminated radically. Que si elles essaient seulement, si elles essaient seulement de naître, that if they only try to be born, qu'elles soient maîtrisées, that they can be mastered, qu'elles soient éliminées, and eliminated. Sinon, if not, il y a une vie qui les empêche même de naître. There is a life that prevents them from being born. C'est cette vie qui nous est demandée dans Philippiens chapitre 2 verset 1 à 4. It is this life that is required from us in Philippians chapter 2, reading from verse 1 to 4. Maintenant, now, il y a plusieurs facteurs de crise. There are many factors of crisis. Certains facteurs sont théologiques. Some factors are theological. C'est-à-dire il y a des crises qui ont des causes doctrinales. That is, there are crises that have some doctrinal causes or reasons. Comme dans Acte 15. Like in Acte 15. La crise qui était née était doctrinale. The crisis that broke out was doctrinal. Fallait-il circoncire les gens qui donnaient la vie à Jésus? Did we need to circumcise those ones who gave their life to Jesus? Ou bien leur foi en Jésus était suffisante? Or their faith in Jesus was enough? Là, il y a eu une conférence. So at this level, there was called for a conference. Au cours de laquelle les Écritures furent examinées. And during that conference, the scriptures were examined. Et les témoignages de Pierre et de Paul furent rendus. And the testimonies were given by Paul and Peter. Et Jacques a fait une synthèse en rappelant ce que les psaumes disaient parlant des nations qui devaient adorer Dieu.
And James made a synthesis recalling what the Psalms said about the nations which were to worship Christ. Dans ce type de résolution, in this type of resolution, l'obéissance à la parole de Dieu comme autorité suprême est nécessaire. Obedience to the word of God as supreme authority is necessary. S'il y a une assemblée, if there is an assembly, où on peut lire un verset biblique, where we can read a Bible verse, ça ne met pas les gens en contact avec Dieu et en contact, en communion les uns avec les autres, c'est une mauvaise assemblée. And that this by, verse, the, this reading of the verse does not bring people to be in fellowship with God and in fellowship among themselves. This is not a good assembly. Nous devons être un peuple qui est soumis aux saintes écritures. We must be a people who is submitted to the Holy Scriptures. Si bien que quand il y a des petites difficultés, so that when there are little difficulties, des incompréhensions, some misunderstandings, si une personne ouvre la Bible, if a person opens the Bible, et nous fait découvrir un verset qui résout le problème ou qui répond à la question, and bring us to discover a verse that solves the trouble or answers the questions, tout le monde commence à rendre grâce à Dieu. Everybody starts giving thanks to God. Mais si la discussion va du matin au soir, on lit tous les versets, ça ne touche personne, il y a l'autre, l'autre est déjà dedans. But qui le connaît? C'est Satan. But if the arguing goes from the morning to the afternoon, we read all the verses, but it does not move anybody, then the other, that is Satan, is in this matter. Dès que vous entendez que il est écrit, as soon as you hear that it is written, on dit gloire à Dieu. We ça, say, ça c'est vrai. Praise the Lord. This is true. C'est écrit. It is written. C'est fini. It's finished. C'est ce que nous devons être. That's what we should be. Et dans Acte 6, in Act 6, on a donné comme devoir à partir du verset 1. Reading from verse 1. Ici, here, ce n'était pas une question doctrinale. It was a doctrinal question. C'était une question d'organisation. It was not a doctrinal question. It on was distribuait les biens, les vivres. It was a question of organization. Les vêtements, food and the clothes were shared. Et il n'y avait pas d'équipe pour faire cela. There was no team to do it. C'est-à-dire d'une façon officielle. That is officially speaking. Ce qui le faisait était naturellement plus proche de la direction spirituelle. Those who used to do it were naturally closer to the spiritual. De par leur naissance, de par leur origine. That direction, from their origin. Donc il y avait les Hellénistes, il y avait les Hébreux. There were Hellenists and Hebrews. Donc les Hellénistes avaient constater que quand on donne les choses aux Hébreux, on donne beaucoup, ou alors on donne avec beaucoup de considération. Hellenists realized that when things were given to the Hebrew, they were given more or with more consideration. Et que les Hellénistes étaient lésés dans ces partages-là. And that the Hellenists were not favored in that share. Comment a-t-on résolu cette crise-là? How was this crisis resolved? On a choisi des dirigeants, leaders were chosen, qui étaient remplis du Saint-Esprit, that were filled with the Holy Spirit, qui avaient un bon témoignage, who had a good testimony, et qui étaient sages, and who were wise. Le bon témoignage, good testimony. Vous savez, il y a le bon témoignage dont confère l'autorité. You see, good testimony gives authority. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si on organise un concours maintenant, la personne qui a 20 sur 20 a l'autorité sur tous les autres. If we organize a contest now about who is to have authority on the others. Si on cherche des gens qui vont
organiser les choses, ceux qui ne sont pas ivres. If you seek people who will organize on va éliminer tous ceux qui dandinent, qui sont ivres. On va les éliminer. We will eliminate all those who are drinkers. On va éliminer ceux qui sont accusés de cupidité. We will eliminate all those who are greedy. On va éliminer tous ceux qui sont accusés d'adultère, d'homosexualité. On va les écarter même. We will eliminate all those who are accused of adultery and homosexuality. They will be eliminated, put aside. Quand on dit qu'il faut choisir des gens qui ne sont pas cupides, ça veut dire qu'on veut choisir des gens qui ont un bon témoignage. Donc le témoignage donne, confère l'autorité. Bon témoignage confère l'autorité. So, a good testimony gives authority. S'il n'y a pas, si une assemblée even assembly est dirigée par quelqu'un qui n'a pas l'autorité, is led by someone who has no authority, il y aura beaucoup de murmures, beaucoup de revendications qui sortent du fond de l'assemblée. There will always be a lot of murmuring and claims from the bottom of the assembly there. Frère, je vous dis la vérité, si tu diriges une assemblée, brethren, I tell you the truth, if you lead an assembly, si les gens te posent beaucoup de questions, if people ask you too many questions, tu n'as pas l'autorité. You do not have. On ne gronde pas. L'autorité spirituelle n'est pas la force des muscles. Spiritual authority is not strength or muscles. Ça vient par la perception spirituelle du modèle. It comes from the spiritual perception of the model. C'est-à-dire quand tu regardes l'autre, when you look at the other, tu vois l'image de Christ. You see the image of Christ. Une voix te dit de le suivre. A voice tells you to follow him. Et c'est la voix du Saint-Esprit. And it is the voice of the Holy Spirit. Il a la capacité de recommander le dirigeant à ses membres. He has the ability, the capacity to recommend the leader to his members. Donc, quand le dirigeant paye le prix pour être un exemple, when the leader pays the price to be an example, Dieu récompense son effort. God reward his effort en rendant témoignage, by testifying about him, en disant aux autres qu'il faut le suivre. Telling the others, follow him. Si c'est une assemblée, if it is an assembly, quand tu vas dire qu'il y a prière vendredi, when you say there is prayer on Friday, les gens viennent avec joie. People come with joy. Ils ne viennent pas en craignant, ils viennent avec joie. They do not come while fearing, ils but peuvent they même come te demander, with joy. Mais la prochaine session c'est quand? They can even ask when next will be when will be the next session? C'est un facteur de paix. It's a factor of peace. De paix interne. Internal peace. Les dirigeants remplis du Saint-Esprit. A leader filled of the Holy Spirit. Les dirigeants. Leaders. Remplis de sagesse. Filled of wisdom. Des dirigeants. Leaders. Ayant un bon témoignage. Having a good testimony. Les apôtres qui étaient des hommes spirituels. Apostles who were spiritual men. Ayant su qu'il y avait ce problème de partage des biens. Having known that there was a problem about the distribution of goods, et sachant que si ça continue, ça va les amener à quitter leur poste pour venir faire cela eux-mêmes. Knowing that if this continues, this will bring them to leave their position to come and do it themselves. Ils n'ont pas dit calmez-vous, ne faites pas comme ça, hein. Attention. They didn't say stay calm, don't do this, pay attention. Ils ont dit ça c'est un petit problème, they, les amis. They say this is a little problem, a little trouble. Nous prions, nous enseignons. Vous voyez, c'est un grand travail. You see, it's a great work. Ça c'est petit. This is a small. Vous pouvez faire ça. You can do this. Okay. Toi. You. Allez, faites ça. Go and do it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ils ont résolu ça en choisissant les bonnes personnes. They resolved this trouble les bonnes personnes. By choosing the good people. Et les anciens en venant à la retraite venaient avec les nouveaux, les candidats à l'évêché, les nouveaux que nous allons introduire au collège. Et examiner s'ils ont un bon témoignage. Elders, while coming to
the retreat come with the names of those who are candidates to become bishops? Est-ce qu'ils ont un bon témoignage? If they have a good testimonies. Est-ce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit? If they are they filled with the Holy Spirit? Pas est-ce qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit? Not are they baptized in the Holy Spirit, but are they filled with the Holy Spirit? Est-ce qu'ils sont sages? Are they wise? Est-ce qu'ils ont des dettes qu'ils n'ont pas payées? Do they have debts that they have not paid yet? La Bible dit que le méchant emprunte et il ne rembourse pas. The Bible says that the wicked one borrows and he does not reimburse, paid back. Quelqu'un qui ne rembourse pas ses dettes ne doit pas être dirigeant principal. Someone who does not pay back his debt should not be the main leader. Quelqu'un qui a un mauvais témoignage. Someone who has a bad testimony. Quand tu planifies l'implantation d'assemblée, when you plan the planting of assemblies, ne le mets pas dirigeant de l'assemblée. Do not appoint him a leader of the assembly. Il n'y aura pas la paix. There won't be peace. Lui-même est un petit virus qui peut tout détruire. He himself is a little virus that can destroy everything. Donc, so, tout groupe, any group qui manque de réelle organisation, that lack real organization, va connaître beaucoup de conflits. C'est-à-dire, les crises vont seulement devenir des conflits. Will experience many conflicts because their crises will only become conflicts. Et ces conflits vont durer des années et des années. And those conflicts will last long, will last about years and years. Et ils vont se transformer en guerre. And this will be transformed into war. Donc les uns et les autres vont commencer par se mordre, comme dit l'apôtre Paul dans Galates. And the ones and the others will start biting one another, as Apostle Paul says in Galatians. Il dit, si vous vous mordez, vous allez vous détruire. He says that if you bite one another, you will be destroyed. L'autre facteur de paix interne, the other factor of internal peace, c'est la capacité des uns et les autres de résoudre, de juger. Is the capacity of the ones and the others to judge. C'est-à-dire de juger des affaires entre les frères. That is to judge some troubles between the brethren. Tel frère et tel frère sont en conflit. Such brother and another one are in conflict. Il faut tout faire. You must do all pour les réconcilier. To reconcile them. Un bon ancien. A good elder. Un bon dirigeant. A good leader. Ne laisse pas les membres dans des conflits sans fin. Does not leave the members in conflict without end. Il est vrai, comme on le dit toujours, tu peux amener le cheval au bord de l'eau, au bord du fleuve, mais tu ne l'amèneras pas, tu ne le forceras pas à bord de l'eau. It is true, as we used to say it commonly, that you can take the horse at the river bank, but you cannot force him to drink. Mais Dieu saura que mon enfant a quand même tiré ce cheval jusqu'au bord de l'eau. But God will also acknowledge, know that my son has taken the horse to the river bank. Et le cheval refuse. But the horse refuses. Et est même prêt à donner les coups de patte. And he's even ready to kick. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? 1 Corinthiens 6. 1 Corinthians 6. À partir du verset 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, reading from verse 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes?
et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez, ici, il y a des procès parmi les frères. There are some trials in the midst of the brethren. Mais ce qui est déplorable, well, but what is deplorable, c'est qu'il n'y a pas un sage. Is that there is no one among them who is wise pour juger. To judge. Ça détruit la paix interne. It destroys internal peace. Quand on est là, tel a dit que l'autre voulait dire que on dit que one, this one said that the other one said. Ce n'est pas moi, c'est moi, c'est it's not me, it's the other. Comment l'Église peut-elle croître? How can the church grow? Si elle grandit en nombre de cette façon-là, if, dans cet état-là, if it grows in number in this condition, ça sera une multitude sans Christ. It will be a multitude of without Christ. C'est pour cette raison que nous nous réjouissons quand dans chaque région nous rencontrons des gens qui ont été délivrés authentiquement du péché après leur rencontre avec Jésus. That's why we rejoice when in each region we meet people who have genuinely been delivered after the encounter with Jesus. Je vous dis une vérité. I tell you a truth. Si dans une salle comme celle-ci, if in a hall like this one, il n'y a personne, there's no one qui a expérimenté la pas le pardon, c'est-à-dire disons, il a été pardonné, mais qui n'a pas expérimenté la délivrance du péché. If there's no one who has experienced deliverance from sin, il faut beaucoup de points d'interrogation. There will be a lot of question marks. Parce que le problème de l'humanité c'est quoi? Because the problem of mankind, what is it? C'est le péché. It is sin. Nous devons continuer à prêcher la repentance. We should continue. Keep on preaching repentance. À prêcher la délivrance du péché. And preach deliverance from sin. Jésus prêchait le pardon. Jesus was preaching forgiveness. Il prêchait la repentance. He preached repentance. Il prêchait la délivrance du péché. And he also preached deliverance from sin. Jean-Baptiste disait, John the Baptist said, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. There is the Lamb of God that takes away the sin from the world. Il enlève, he removes, le principe même du mal. The principle of evil. Jésus le brise. Jesus destroys it. Hallelujah. Praise the Lord. Quand il est à l'œuvre, when he is at work, on entend des pareils témoignages. We hear such testimonies. J'ai pratiqué la masturbation pendant tant d'années. I was living j'ai donné in masturbation. Ma vie à Jésus. Jésus m'a délivré. I was living in masturbation for about such number of years. I gave my life to Jesus. Jesus delivered me. Je voudrais vous dire quelque chose qui va vous réjouir. I would like to tell you something that is going to rejoice you. Qui va vous faire adorer Dieu. That will bring you to worship God.
Pour surtout les intercesseurs aiment des pareils témoignages. Above all, the intercessors, because they like such testimonies. Plusieurs fois, many times, au collège des anciens, at the board of elders, on a essayé de regarder comment diminuer un peu. C'est-à-dire si quelqu'un accepte Jésus, il prie seulement, il confesse ses péchés d'une manière rapide et superficielle, et on le baptise. We try to look in this matter, that is, how to bring people to repentance. If we should let them just repent a bit and then baptize them. Les anciens refusent. The elders refuse. Nous là, c'est la repentance. Alléluia. Because they say that we doit être repentance. Repentance. Après, on revient. Surtout, c'est moi-même qui ramène parfois le sujet. After we come back on it, and sometimes it is I myself who bring back the subject, the topic. Dès que je pose le sujet, as soon as I display the topic, les anciens se lèvent comme des vaillants guerriers, et puis je retire le sujet. The elders rise up as mighty warriors, and I have to remove the topic. Ils veulent l'évangile authentique. They want genuine gospel. Ils veulent qu'on prêche la vraie repentance. They want us to preach true repentance. Quand on planifie comment prêcher la vraie repentance, ils sont calmes, concentrés. When we plan how to preach true repentance, they are calm and concentrated. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you following me well? Ça veut dire que nous avons les bons anciens. That it means that we have good elders. Pour avoir de bons témoignages, être rempli du Saint-Esprit et être sage. Il faut prêcher la repentance et le pardon des péchés. Mais pour cette orientation que tu nous rappelles, pour que nous puissions être fortifiés et conduire le peuple, Seigneur, dans la formation des disciples. Gloire, honneur, louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, pas de falsification. Pas de falsification. Nous avons reçu l'évangile pur comme l'or qui est passé dans le feu. Nous l'avons accepté et nous devons le transmettre sans falsification. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as donné des anciens qui sont assis sur des choses réelles qui viennent de Dieu. Nous te bénissons, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci de nous tranquilliser. Merci de nous rassurer. Merci, Seigneur, pour la qualité de l'œuvre, Seigneur. Merci pour la fondation qui a été bien faite. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que l'Église, les anciens sont entre tes mains. Merci pour la qualité d'anciens que tu as donné à l'Église de Côte d'Ivoire. Que ton nom soit béni, célébré, exalté. Et nous venons, tendre Père, te protéger chacun d'entre eux. Nous les plongeons dans ton sang. Nous protégeons leur engagement. Nous protégeons leur rectitude. Nous protégeons leur sérieux. Père éternel, nous prions, ô notre Dieu, qu'il continue d'être ferme, solide, Seigneur, que rien ne les ébranle et que, Seigneur, ton peuple reste debout et affermi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 Alléluia. Praise the Lord. Pour ceux qui sont nouveaux, for those who are newcomers, et quand nous avons commencé l'œuvre, when we started the work, le frère Zach a rendu un témoignage. Brother Zach gave a testimony. Et disait que l'Afrique de l'Est a connu un réveil. He said that East Africa experienced a revival. Parce que les croyants,
Because the believers prenaient les jeunes convertis, took young converted, et les enfermaient, c'est-à-dire les mettaient à une retraite. They took young convert and they put them into retreat avec jeûne de 3 jours, with a 3-day fasting, en faisant leur repentance, doing their repentance. Et dès quand le réveil a pris, and when the revival started, même les païens avaient peur de commettre les péchés comme l'adultère, la fornication. Even unbelievers, they feared to commit sins like adultery and fornication. Ils se disaient que quand ces gens vont se convertir, on va citer leur nom dans les repentances. They told themselves that if these people repent, they will come and quote their name in repentance. Parce que les gens confessaient les péchés en public comme dans Actes des Apôtres. Because people used to confess their sins publicly as in the Acts of Apostles. Quand ce témoignage est tombé dans mes oreilles, when that testimony fell into my ears, j'ai dit, I said, nous allons retenir une chose, 3 jours de jeûne. We will retain one thing, 3 days fasting. Et la confession et l'abandon total de tout péché. And confession and the total abandoning of any sin. Avec des supplications pour que Dieu pardonne et enlève les conséquences. With supplications for God to forgive and remove the consequences. Nous avons commencé à pratiquer cela. We started practicing this. Le résultat, c'est la délivrance. The result is genuine deliverance from sin. Certains démons, some demons, sont vaincus pendant la repentance. Are overcome during repentance. Quand on arrive dans les brisements de liens, c'est pour désenvoûter, sortir les gens des cercueils et des tombes. When we get at the level of breaking of evil tide, it is to disbewitch, take people away from tombs. Et à un moment donné, je me suis dit peut-être que c'est trop diminuant. C'est là où les anciens disent que pardon, ce qui nous a bénis là, ça doit bénir les autres. At a certain level, I want us to leave some things. Practices. And the elder said, no. What blessed us, let us keep it so that it can bless the others. Et prenez le brisement des liens au sérieux. Take the breaking of evil ties earnestly. Vous verrez que le brisement des liens va garder l'église même dans la sainteté. You will see that even breaking of evil ties will keep the church in holiness. Si tu commets l'adultère, quand les démons vont chauffer quelqu'un, il reviendra pour le brisement des liens. Ton nom va sortir que vous avez commis l'adultère. If you commit adultery, and when the breaking, acclamé. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et le réveil va remplir la nation. And revival will fill the nation. Acclamez encore. Clap once more. Jésus Christ. Jesus. Oui, va commettre, va commettre. Yes, go and commit. On t'attend. We are waiting for you. Et c'est le Saint-Esprit qui va te dire que va briser. And it is all, the Holy Spirit will tell you to go and break. La paix intérieure. Internal peace. Lis pour nous Philippiens chapitre 4, versets 1 et 2. Read for us Philippians chapter 4, from verse 1 to 2. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Amen. Therefore, my beloved and longed for brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord, beloved. I implore Euodia and I implore Saint-Tiche to be of the same mind in the Lord. Amen. Un bon dirigeant, a good leader, rempli de sagesse comme Paul, filled with wisdom like Paul, va veiller sur les frères, will watch over the brethren. Il veille sur les semeurs. He watches over the sowers. Qu'il n'y ait pas deux sœurs
qui ne s'entendent pas. So that there won't be two sisters who don't get along. Dès que tu constates que deux sœurs qui marchaient ensemble ne marchent plus ensemble, as soon as you realize that two sisters who were working together no more work together, you call them. Qu'est-ce qui vous est arrivé? What has happened? Tu entendras l'autre dire que demande-lui. You will hear the other one. Ask her. Et l'autre dit demander à qui? C'est toi. And the other one to ask whom? It's you. Toi aussi tu vas un peu loin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème entre vous? And you are there. What's the matter? Is there a trouble between you? Oui, frère. Yes, brethren. Brother. Je priais même. I was even praying. Que le Seigneur amène cela à la lumière. Aujourd'hui, il m'a exaucé. That the Lord brings this to light and today he has granted me. Il commence à parler. And you start speaking. Pendant que les chacune est en train de parler. While one of them, each one is talking, tu prends un stylo, tu dessines Satan avec les cornes. You take a pen and you draw Satan with horns. Dès que tu finis de les écouter, tu demandes à la première, ça c'est qui? After you finish listening to them, you ask the first one, who is this? Il dit c'est Satan. You say it is Satan. Tu demandes à l'autre, j'ai dessiné qui? And you ask the other one, who have I drawn? Il dit c'est Satan. And it is Satan. Alors, so, qui a la solution? Who has the solution? Chacun lève la main. Each one raises his hand. Et on doit brûler Satan. So we must burn Satan. Alléluia. Praise the Lord. Et la guérison sera profonde, totale. And the healing will be deep and total. L'amitié va redémarrer. Friendship will restart. Il y avait deux sœurs. There were two sisters. Saintish et Evody. Saintish and Evody. Qui avaient travaillé ensemble. And who worked together. Qui avaient même travaillé avec les apôtres. They even worked with the apostles. Après, elles ne s'entendaient plus. And after, they no more get along. Elles ne voyaient plus, elles ne regardaient plus dans la même direction. They no more looked and see in the same direction. Dans chaque chose, désormais, elles avaient des points de vue différents. And they henceforth had different views on each thing. Quand une prenait la parole, when they took the word, the floor. Ça énervait l'autre. And when one of them took the floor, the other one was upset. Paul dit à son collègue, certains commentateurs disent que c'est Luc, et il dit il faut les aider aussi. And Paul told his colleague to help them too. Elles doivent avoir quoi? Un même sentiment. They should have what? The same feeling. Frère, allez méditer. Brethren, go and meditate. Un groupe comme les semeurs, c'est ce qu'on appelle un même sentiment, ça doit être vrai. A group like the sowers, what we call a same feeling must be real. Vous devez avoir la même lecture du monde. You should have the same way of reading the world. Parce que vous avez le même appel, la même consécration. Because you have the same call and the same consecration. Les mêmes défis. And the same challenges. Il y a des évangélistes dans la salle, mais ils ne sont pas autant organisés que les semeurs. Les semeurs sont les frères et sœurs les plus organisés de l'église locale. And there are some evangelists in the hall, but they are not so much organized as the sowers. The sowers are the team that are more the most well organized in the church. Même vision. Same vision. Même sentiment. Same feeling. Même amour. Same love. Même âme. Same soul. Mêmes émotions. Same emotions. Si bien que quand quelqu'un vous écoute, so that if someone listens to you, il est délivré. He's delivered.
Quand vous regardez quelqu'un fixement, when you stare at someone, il ressuscite des morts. He raised the dead. Si quelqu'un essaie de murmurer contre un d'entre vous, vous coupez la langue. If someone starts murmuring against one of you, you cut his tongue. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les anciens, oh là là. The elders. Soudés. United. Quand chaque ancien regarde la nation, seulement il veut, chacun veut posséder la nation et donner à Jésus. When each elder looks at the nation, each of them want to possess the nation and give it to Jesus. Même but. Same goal. Même vision. Same vision. Même perception. Same perception. Quand les gens atteignent ce niveau, when people reach this level, Dieu prend une décision. God takes a decision. Il dit, j'envoie la terreur devant vous. And he says, I send terror before you. C'est-à-dire que quand l'ennemi pense à vous, il tremble. That is, when the enemy thinks of you, he shakes, he trembles. La paix interne au sein de l'assemblée, au sein de l'église, est un grand facteur de croissance en nombre et en qualité. Peace, internal peace, peace in the church, in the assembly, is a great factor of growth in number and in quality. Mardi prochain, next Tuesday, si le Seigneur tarde à venir, if the Lord tarry, nous allons étudier la paix dans le foyer. We are going to study peace in the household. Et nous allons enseigner sur les qualités d'un bon dialogue entre les conjoints. We are going to teach on the qualities of the good dialogue between the partners. Beaucoup essayent de résoudre les problèmes dans le dialogue, mais ils gâtent. Many try to solve the problem in a dialogue, but they spoil everything. They destroy everything. Il y a la science. There is a science of dialogue. Pour que ça porte du fruit. For it to bear fruit. Pour que ça commence. For it to start. Et que ça finisse. And ends. En amenant chacun à atteindre le but. Having reached the goal for each one. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tiens-toi debout. Stand on your feet. Tu ne vas pas parler de crise. You are not going to talk about crisis. Ne dis pas, Seigneur, résous les crises. Do not say, Lord, solve the crisis. Dis, Seigneur. Say, Lord. Faites de moi. Make of me. Un dirigeant. A leader. Rempli du Saint-Esprit. Filled of the Holy Spirit. Un dirigeant sage. A leader that is wise. Un dirigeant recommandable. A recommendable leader. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? OK. Prions. Let us pray. Seigneur, nous te disons merci et nous prions que tu ramènes chacun. Transporte-nous sur tes ailes d'aigle, cache-nous, esprit et corps, dans ton sang et donne-nous de parvenir sain et sauf à destination. Nous prions que tu frayes le chemin devant nous, que les obstacles soient dégagés, que les barrières soient brisées, que nos ennemis soient écrasés au nom de Jésus-Christ. Ramène chacun, Seigneur. Protège nos cœurs, protège nos esprits, protège nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.